ouvert tous. Quelqu'un arrive. Chiron était un vaillant guerrier. N'oublions jamais son sacrifice. Que faisons-nous maintenant? Attendez, qu'est-ce que c'est? Vous? Comment êtes-vous arrivé ici? On vous a suivi. Et pourquoi donc? Loki, il essaie de nous tromper. Notre mission est trop importante pour croire des étrangers. Quelle mission? Avant que Gargaren VI ne vienne au nord, Loki a piégé Thor et détruit son marteau. Oui, et nous avons été chargés d'en fabriquer un autre. Je vais utiliser une racine pour faire le manche. Etri à la tête du marteau. Nous devons nous rencontrer. Et si Thor a son marteau, il scellera la porte. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kersten, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la mission 29 de la campagne avec Arcanthos, la chute du Trident. Donc là on est dans une sale situation, on n'a plus que ça comme troupe entre guillemets. J'ai commencé à développer ça tout de suite, comme façon on pourra pas changer d'âge. Évitons la porte. L'ennemi est trop puissant pour nous. Ouais, donc on va éviter cette fin. Hein. Bon, la porte dans le scénario, elle se pétera pas, rassurez-vous. Là, je suis en train d'envoyer quelques héros. Là, je vais avancer avec les autres pour voir ce qu'on peut faire. Essayer de trouver des choses. Des trolls, tiens donc. Ouais, on va s'occuper d'eux rapidement. Dommage que Chiron ne soit plus là, vu qu'il est décédé dans la mission d'avant. Mais bon, on s'en sort quand même. Et là, j'ai utilisé quelques nains pour garder de l'or qui arrive, tout simplement. Alors, les renforts, normalement, ils viennent d'ici, si je me souviens bien. C'est combien? Oh, un géant de feu. Hop. Ouais, bah, il y a du monde ici. Bon, on va s'occuper de ce géant en priorité. Le géant de feu, on a vu ce que ça a fait la dernière fois. Ça fait très mal. Parfait. Déjà, bon, c'est bien. Au moins, on a l'autre armée. On va se soigner, on va se... Non, Amanra, non. C'est ça qui est chiant quand, avec Amanra, c'est que dès qu'elle est lancée, on peut pas... On a du mal à la contrôler, quoi. Bon, là, on va s'occuper de ces cyclopes. On a... Excellent. On a des troupes qui vont nous aider un peu. Je vais garder les lanceurs de hache en défense. J'ai emmené les Valkyries avec nos héros pour qu'ils passent faire la jonction avec Etri. Le pouvoir ancêtre. D'accord. Bon, c'est bien. Au moins, il le gaspille bêtement. Ça me va. Allez. Parfait, le cyclope est tombé, maintenant s'occuper de ça et c'est fini. J'ai quand même envoyé un coup de javelot sur le lanceur de hache qui nous gêne. J'ai surveillé un peu où on est l'arbre, tiens. Ok, ça va, ça coupe plutôt bien. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose par là, je sais plus. Je sais que, je crois qu'à un moment il faut libérer des nains, mais je me souviens plus si c'est à quel endroit précis exactement. Ah, des cyclopes. Wow, il y a du monde ici. Attention, Valkyrie. Ah bah on en perd déjà une, super. Mais ça sort d'où tout ça? Bon, on va déjà commencer à amener des renforts par là. Parce que ici c'est un peu craignos, ça. Parfait. Les cyclopes vont tomber. Et là on perd encore des héros, logique. Excellent, des nains au bois, vite. Et on perd quelques héros, bon, on a fait le carton, hein. Normalement ça devrait être bon. Allez-vous par là. Bon, il y a encore quoi là? Faut arrêter un moment. Putain, noircir, ils font rien. C'était donc là, je comprends pourquoi il y avait beaucoup de gardes en fait. Il
Donc c'est des RC en plus, ça pourrait être utile. Ah bah putain, qu'est-ce qu'on en a chié ici. Bon, je commence à rapprocher tout ça. Là on a des nains qui vont miner un peu. Bon c'est tout. Vous deux, ils vont miner un peu, ça leur fera du bien. Qu'est-ce que... Oh là 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 là, mais quelle horreur cette mission. Bon, ils en sont où du manche, là? Bon, ça coupe vite. Bon, premier géant de feu qui tombe. C'est quoi, ça? Ah, d'autres défenseurs ici, c'est parfait. On se retrouve avec une dizaine de lanceurs de hache et de yarn. Parfait. Par contre, bon, je vous avoue, j'ai un peu peur. Là, j'ai pas trop avancé. J'attends que Mero ait terminé ce mur. C'est pas des nains, hein, on est d'accord, hein, c'est des RC. Hein. Un bug de script. Qui ça? Oh oh. Bien sûr, on nous envoie le Nick Dog. Alors lui, il va être chiant. Non, là, il faut y aller. Hein. Bon, lui fait mal quand même au Nick Dog. Allez, vite. Faut nettoyer là. Parfait. Il nous reste plus que le... Hop. Putain, il nous fait mal. C'est quoi qu'on a? Oh, des hussards, ça peut être utile. Regina, j'ai réussi à la ramener. Oh là 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 là, vite. Je vais tout de suite ramener mes renforts là. Bon, au moins, ils soignent et ils retiennent un peu de nuit. Donc, il y a quoi? Des trolls, des géants, oh là là. Ok, donc vous vous rappelleriez à la base, il n'y a que... Là, on perd toutes nos troupes. Tout simplement à cause de ce monstre. Allez, grouillez, quoi. Ah, vous foutez rien depuis tout à l'heure, bah bravo. Ok, on a le manche, maintenant on se taille. On fait la rencontre entre la tête du marteau et le manche, et tout le monde est content. Il a 2000 PV, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vite, reculez avant de vous faire bouffer. Oh la vache! Bon, tant pis, on va sacrifier les nains. Et bon, là, il est en train de se faire découper, le pauvre. Vite, réunifiez le marteau. Fiu! Vous avez vu tout ce qui nous tombait dessus? C'était un peu compliqué, c'est à gérer, je pense. Bien, donc on a réussi à empêcher Gargantis d'ouvrir la porte des enfers dans Scandinavie. Le marteau de Thor a scellé cette porte et a causé aussi une grosse explosion qui a fait un carnage pas possible. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Donc la semaine prochaine, ce sera les dernières missions de la campagne La Chute du Trident. Je crois qu'il en reste 3 sur, je crois. 4, ça, je me souviens pas. Je crois qu'il y a 32 niveaux. Donc on verra. Donc quoi qu'il arrive, ça aurait été une belle aventure, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.